Et bonjour à tous et à toutes, je suis Luc et bienvenue pour J'espère. Je suis sûr que ça va être le dernier épisode de Breath of Fire 2, ce jeu qui pose problème parce que il est dur. Pour vous dire à quel point il est dur, je suis tombé juste avant sur une ROM hack du jeu qui s'appelle Breath of Fire 2 Easy Type, qui fait que le jeu est beaucoup plus simple. C'est pour dire si il n'y a pas un problème dans la difficulté du jeu. Nous allons enfin, après ce petit combat, dans une réalité alternative bien sûr, où je suis extrêmement pété comme vous le voyez à mon niveau, nous allons nous attaquer, je l'espère, au boss de fin. Vraiment, j'ai envie de faire le boss de fin, qui va être aussi dur que Barbaroi, je pense, même si ce n'est plus, sachant que le sort infini, si je l'ai, c'est pas pour rien. Résumons l'épisode précédent. Après le passé de la mère de Ryo, dont j'ai déjà oublié le nom, oui, j'ai 124 000 balles, c'est un très beau score, 124 000. Nous sommes partis dans les profondeurs de l'infini, partie 2. Et alors que je pensais que c'était la fin, et non, MDR, en fait, c'était Barbaroi contre lequel nous nous sommes battus dans un monde alternatif où je suis beaucoup plus puissant. Et maintenant, nous allons nous attaquer au centre du mal, au centre de tout, à savoir Deathhaven. J'ai regardé quelques conseils concernant ce boss, et la grosse stratégie, c'est de bourrer le Deathhaven avec Dragon Kaiser de Ryu. Donc c'est à chaque tour donner des noix IQ à Ryu pour que sa magie augmente, et tous les 3-4 tours en fonction des dégâts reçus, comme par exemple là c'est quand même un tour assez mauvais, soigner tout le monde avec l'End, même si l'End avec ses 200 points de mana, je suis pas sûr que ça puisse le faire. En conséquence, j'ai 18 noix. Je pense que ce sera pas assez. Au pire, si c'est pas assez, je relance la capture et puis je prends un peu plus d'objets. Ouais, c'est comme ça, écoutez. La magie du montage, certains diraient, et d'autres pensent que voilà, c'est pas bien, et j'ai déjà perdu un cinquième de mes soins. 9 noix, je pense que ça va être très juste. Allez, on y va. C'est l'instant doublage. Ça va être sympathique. Tu es parvenu aussi loin, mon enfant élu. Nicanor. De quoi ? Nicanor, avant toute chose, je tiens à te remercier pour avoir ouvert les portes. Je franchirai ces portes et je bénirai le monde de désespoir. Tout ce qui vit sur cette terre lèvera les yeux vers moi et ressentira de la joie en acceptant la mort. Tu es devenu fou ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qui est Nicanor? Oui, au secours. Et un petit peu de mal en ce moment. Ne comprends-tu donc pas Nicanor? Nicanor est le nom désignant les êtres morts. C'est votre nom. Vous êtes tous morts. Vie n'a pas de sens à l'intérieur de ce cristal. Je vais vous donner une souffrance éternelle. Mais vous ne souffrirez pas seul. En fait, tout ce qui est sur cette terre suivra votre chemin dans la mort. Oh mon dieu, mais que se passe-t-il ? Oh ! Tu dis qu'il ne s'agit de la... Tu dis qu'il s'agit de la puissance de l'enfant élu ? Tu te crois plus puissant que moi ? Le pouvoir de Dieu ? Je n'aime pas ça. Oh, disparu. L'End.
Il vagabonda de par le monde parce qu'il détestait l'ennui et il rencontra Ryu. Et maintenant, sa vie s'achève. Tu contemples en silence la disparition de tes amis. C'est la différence entre ta force et la mienne. 4. Combattre est le seul moyen qu'elle a trouvé pour s'exprimer, mais elle a découvert en Ryu une force dont elle n'avait pas conscience. Et maintenant, sa vie s'achève. Ça doit changer en fonction des personnages que je prends. Nina. Elle a été exclue de la famille royale à cause de ses ailes noires. Mais elle continua à croire en les bienfaits de la famille royale. Et elle essaya de disparaître. Et à présent, son souhait est devenu réalité. Sa vie s'achève. Et je ne peux pas bouger parce que je suis rongé par la colère et le désespoir et toutes ces choses. Alors, qu'en penses-tu, Ryu, de ta vie pathétique? Elle n'est plus que poussière dans les mains de Dieu. Même si on t'appelle l'enfant élu ou le courageux, tu serais quand même emporté par une force plus puissante. Pendant que le monde explosera sous mes yeux, tu resteras assis ici. Et tu prendras conscience de ta faiblesse. Oh mon Dieu, non, je ne peux pas laisser mes amis, je n'ai pas envie. Parce que, en fait, il fallait bouger la manette. Mais oh. Histoire. Les hurlements du cœur de Ryu ont brisé les liens de Death et Lien. Et maintenant, je cours. Es-tu en train de dire que tu vas détruire à nouveau ma barrière? Ryu, j'en ai vraiment plus qu'assez de toi. Une étincelle a jailli de Ryu quand il a vu Death Van. Et il court. Oh mon Dieu, il court. Là, je vais faire rien, je peux rien faire, hein. C'est le scénario. Cassé en morceaux, Ryu, oui. Alors, cette attaque, je l'ai vue. C'est une attaque qui divise par deux à chaque fois vos points de vie. Et c'est pas cool. Voilà. Je crois que c'est explosion, semble-t-il. Par contre, j'aimerais bien que le jeu tourne à peu près comme il faut. S'il vous plaît. Ah mon Dieu, dans l'œil! Je n'arrive pas à croire que je me sois fait battre par une telle mauviette. Ce n'est pas possible que moi, Dieu! Et il tombe en douceur. Dieu! Dieu ne peut pas mourir. Ryu. Bon, je vais pas vous faire le dragon. Je n'arrive pas à faire le dragon. Je n'arrive pas à parler. Et en fait, le sort qu'on nous a passé, il faut l'utiliser là. Voilà, bon, je me prends un explosé, mais voilà, pas grave. Explosé, attaque de zone. Eh oui. Infini. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Le souvenir de ses amis apparut dans le cœur de Ryu. C'est des battements de cœur, ça, d'accord, ok. Ryu se souvient du clan du dragon. Ryu pense au monde. Ryu a des amis avec qui se battre, et un monde à sauver.
Ryu sait que le temps est venu pour lui d'accomplir son destin. Roar, je peux pas tout faire. Tu es un homme ingénieux. Comment peux-tu te battre contre Dieu à ce point? C'est déplorable. Eh bien, je t'arracherai la chair des os. Te tuer ne sera que le début. Il y aura des chansons écrites sur la beauté de la douleur que je vais vous infliger. Insérer rire de droite, de méchant. Ah, une musique qui fait peur. Remarquons ce très beau design de Deathhaven, en même temps que j'ai regagné tous mes points de vie. Donc là, la strat, comme je vous l'ai expliqué, le dragon Kaiser. Et vu que c'est le premier tour, il faut que je regarde qui attaque en premier. Donc c'est Kate qui attaque en premier, très bien. C'est sûr. Mort, yes. Putain génial. Heureusement que c'est le premier tour. Mais je pense qu'on doit faire 4, Mina, Ryu et Lend. Heureusement, j'ai repris des arbres de vie. Je suis pas con. Ah, je suis pas con comme ça, moi. Alors, je sais pas combien il y a de points de vie. Je pense qu'on doit être à quelque chose comme plus de 10 000. Ça va être un petit peu long. 4, non, attaque. Mina. Une orbe de vie. Alors, le combat va être long. Donc, autant vous poser. Faites quelque chose en même temps. Hein. Dans ce que j'ai vu, ça peut prendre au moins 15 minutes. Je pense qu'on sera au-dessus de 15 minutes. Largement au-dessus. Quoique, non, attends. Ryu. Ah, je peux pas, putain, c'est vrai. Donc, ouais. La stratégie va être très longue. Hein. Alors sinon je peux vous parler en attendant hein, si ça vous intéresse. Alors actuellement quand vous regardez cette vidéo, on est fin janvier 2021. Tout se passe bien. Hein. J'ai pu retrouver un taf. Isoqué comme disent les jeunes. Je prends le temps de tout faire. Je vais pas me mettre un soin sur Ryu. Oui, tout se passe bien. Je pense que ça devrait continuer. Je sais pas. Soit Dieu, quoi. Ah, c'est un vol de vie. C'est pas grave. Oui, ça devrait continuer. Pour le moment, je m'inquiète pas. J'ai aussi en projet. Alors, ça va dépendre énormément du travail où je suis, évidemment. D'acheter une tour. Une qui tabasse quand même bien. Pas une grosse, très puissante. Mais un truc qui me fasse au moins 5-6 ans. Enfin, un bon investissement, j'espère. Sinon, bah, qu'est-ce que je peux vous dire? Tiens, la 4 n'a plus de magie. Donc c'était ma magie qui l'a pris, cette espèce d'enfoiré, très bien. Je sais pas quoi faire après Breath of Fire 2. Je pense que je vais faire le 3 vu que je l'ai trouvé. Et que j'ai commencé à regarder et ça a l'air un peu fouillis dès le début. Je comprends pas qui et quoi et comment. Mais bon, ça reste à voir. Peut-être que je vais enchaîner derrière. Mais vu que c'est de la PlayStation et que je suis... j'ai fait très très peu de PlayStation dans ma vie. La seule fois que j'ai touché une PlayStation 1, ça remonte à plus de 15 ans. Au moins 15 ans, ouais. Je crois que c'était sur Tekken en plus. Donc pour vous dire. Alors Tekken 3. Je crois que c'était Tekken 3, ouais.
Comme quoi ça remonte. Ça remonte un peu, ouais. Et ça c'était. Ça s'était bien passé. Bon. En ce moment je rejoins un peu à Tekken avec quelques personnes. Isoké. Qu'est-ce que je peux vous avancer d'autre? Alors je l'ai annoncé depuis un certain temps maintenant. Myst est en cours d'écriture. Là je dois terminer pour ma part le premier jet dans 2 jours. Histoire d'avoir au moins toutes les informations. Après, en février, faut que je fasse une petite relecture de tout ce que j'ai noté, tout trier, tout regarder. Normalement, si tout va bien, fin février, j'ai tout mon texte, j'ai le plan, la mise en place, bref, tout bien organisé. Et je devrais pouvoir sortir ça. Je l'espère, c'est vraiment un truc que j'espère, courant, voyons, je tourne mars, ça me prend quoi, une journée, mars, avril, mai, allez, je table en juin, mais si je peux sortir avant fin juillet, ce serait pas mal, et puis après, on va continuer sur un truc un tout petit peu moins long en termes d'écriture, mais qui va demander un peu plus d'implication de la part de plusieurs autres personnes. Donc, il y a des projets en cours. Je ne sais pas si tout se réalisera, mais si ça se réalise, c'est tant mieux. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour ceux qui regardent ça, bienvenue déjà. J'espère que. Je vous invite quand même à regarder les autres jeux de la série. La série de Breath of Fire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, ça c'est tous les PV. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Écoutez. J'espère que tout va bien de votre côté, dans vos vies, tout ça. Là, si je me prends une attaque, par contre, je pense que je vais mourir. Ça, c'est 4. Il a pas l'air très très dur, mais je pense que ça va surtout être sur le temps que ça va jouer. J'aurais peut-être dû prendre un peu plus de noix quand même. Pour le moment, j'ai qu'une seule mort, ce qui est plutôt cool. J'ai plus qu'une noix, je pense que j'aurais dû en prendre un peu plus, donc c'est ma faute, j'ai mal géré. Aïe aïe aïe, il y a 4 qui se prend la deuxième mort. Aïe 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 aïe. C'était pas elle qui devait me soigner d'ailleurs. Si, je crois. Ok. Ah non, c'est bon. Ok. Ça va être Nina, comme d'hab. Là, c'est ma dernière noix. Ça va faire des petits dégâts, mais vraiment tout petits.
Allez, alors que c'est la deuxième mort qui s'enchaîne. Ah, pas bon signe ça. Ah, vous entendez un coup qui craque. Ne faites pas ça les enfants. Ah, évidemment la noix dans le vide, la noix dans le vide. Ah là là. Erreur. L'erreur. Pas si vous vous rendez compte quand même que si j'avais passé Barbaroi avec mon pauvre niveau 30 tout nul, ce boss là, mais il m'aurait rétamé en deux coups classiques. Qu'est-ce que j'ai en objet? Je crois que j'ai plus rien. Ah bah si, j'ai le 100 PM. Ok. J'espère juste que je vais pas crever comme une merde. J'ai ce truc que j'ai droppé je ne sais plus quand. Ah. Ah là là, qu'est-ce que c'est? Oh, l'épilepsie, pardon. Tous les sorts sont effacés. Comment ça? C'est-à-dire que j'ai plus accès à mes sorts là, c'est ça? Si j'ai accès à mes sorts, qu'est-ce que tu me dis? Nina, ma petite Nina, est-ce que t'as. Oh, défense moins. Quand même, si tu peux caler ça, ce serait quand même pas mal, Nina. Laser, oula. Oh, je sais, peut-être y avoir un mort. Ouf. Quand même. Là, je pense qu'on doit être en phase 2. Un échec, ouais, je me disais aussi. Le seul petit truc aussi que je pourrais dire sur Brief of Fire 2 comparé au 1, c'est que dans le 1, on avait plusieurs dragons. On devait en avoir 4 ou 5 de différents types. Et là, bah, on est sur 3 dragons différents au départ. Ouais, on a vraiment le feu, foudre et glace. Et bien plus tard, on a le dragon Kaiser. Alors que dans le 1, bah, si on réussissait des défis quand même assez durs, on avait des trucs, des transformations qui quand même pétaient un peu la classe. Non mais d'accord, j'ai vraiment plus rien. J'ai des objets de combat, j'ai un dopant qui augmente l'attaque. Bah go sur Ryu, hein. Écoute, ah, la mort sur laine par contre, ça serait pas cool. C'est bon. Cet objet aussi qui n'a jamais servi à rien. Et si quelqu'un sait à quoi ça sert, bah merci de le dire. Les médaillons, c'est vrai que ça n'a servi, mais à rien du tout. Mais jusqu'au bout en fait. C'est décevant. Putain, encore un laser. Oh là là. Oh là 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 là. Oh bah Kat, elle résistera pas au prochain tour. Son bâtard, ça peut être mort, une attaque, mort, une attaque. Oh, pour l'instant, 600 par tour. Ah, ça va quand même être très très long. Ah, petit critique. Ah, ça c'est un vol de mana, on est d'accord. C'est pas un vol de vie. Si, c'est un vol de vie, carrément. Oh, bon. C'est la deuxième fois qu'il me le fait. Face à l'épilepsie, pas mal quand même, je m'en rends compte que maintenant. Si je pouvais taper un truc, mais vraiment ultra critique, ce serait génial.
Attends, par contre, l'endo aussi, ça va être compliqué. Ah, mais j'ai éclair, je suis con. J'avais zappé que j'avais un éclair. Là, il est en train de donner tout ce qu'il a. Ouais, c'est le dernier sort là pour Nina. Là j'ai plus rien. Donc ça va être la chance qui va devoir opérer. Oh bah c'est la fin. Oh c'est la fin. Oh merde, j'avais ce qu'il faut. Ah bah je suis surpris, je pensais que ça allait être plus long. Ah je suis surpris là, je... Ça m'a fait la même sur le boss de fin du premier si vous avez remarqué. Surprise. Pourquoi? Pourquoi Ryu veux-tu me tuer? Pourquoi? Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que la destruction de ce monde est une fatalité? Je ne comprends pas. Pourquoi le monde et les gens s'opposent à la destruction? Pourquoi ne veulent-ils pas mourir? Je ne comprends pas. Je vais disparaître. Maintenant, je rêverai de la destruction. Adieu, Nicanor. Il part calmement, ce boss. Très calme. Oh, beau travail, Ryu. Oh, quand nous avons été piégés dans le cristal. Oh, je crois avoir entendu la voix de Ryu. Oh, quand je suis revenu, moi, j'étais encore en vie. Ah là, j'étais heureux de me battre avec Ryu. Mais bon, je vais pas faire toute voix, je comprends pas un peu ce que je ressens, mais c'est comme si j'étais né dans ce but. Et blablabla, tout le monde il est content. Nous avons vraiment vaincu le démon. Est-ce que c'est la moyenne fin, la fin neutre? Ou c'est réussi, mais juste réussi? Bien sûr. Oh, nous l'avons fait tous ensemble, y compris les gens de la ville. En train de me niquer la voix. Ryu se souvient du visage de chaque ami. Genre, il avait oublié quoi. Il sent un désir ardent de voir chacun d'entre eux. Il veut partager sa victoire sur les démons avec ses amis. Il veut partager sa joie avec tout le monde. Oui. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un long couloir où j'ai couru. Grosse run, hein. Grosse course. Par contre, le jeu ne casse pas tout de suite le jeu. Ah, Nina. Dis, Mina, ma sœur adorée. Grâce à tes ailes, nous avons sauvé le monde de la destruction. Maintenant, je vais me battre contre la destinée de mes ailes noires. Mina. J'ai perdu du temps. Et bah, c'est la fin. C'est officiellement la fin. Je pose ma manette. Et regardons les crédits. Voilà, voilà. Bon, et ben, c'est terminé. Ah, il y a encore quelques dialogues, peut-être. Ouais, c'est la statue du dieu dragon.
Non, il se passe rien, j'attends. J'attends de voir ce qui se passe, j'attends les crédits, tout le monde était content. Ici, ça se passe bien. Ils ok, mais va falloir remonter à la surface. Et même pour Ryu, parce que il est côtoyé les humains. Et oui. L'enfant élu. Il n'y avait pas un speech au début d'ailleurs du jeu. Je m'en souviens plus, ça fait presque un an qu'on est dessus. Alors que tout le monde est pensif et attend. Ce petit pavillon qui a traversé, c'est le petit effet qui se coule qui est bien. Septembre 1994, projet BF2. C'est comme ça que je renomme mes miniatures d'ailleurs, BF2. Et nous ressortons de la grotte. Tout le monde, évidemment. Tu mérites d'être appelé homme brave. Tu n'as pas à être embarrassé de quoi que ce soit. Il n'y a rien de drôle à être appelé un homme brave. Quand on considère ce que tu as accompli. Et regardez, juste comme je disais, elle est vraiment génial. C'est vrai, je l'ai toujours pensé, honnêtement. Trop bien. En route, allez. Ryu, nous devons nous dépêcher pour avertir les autres. Ah, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ryu. Je l'ai fait pour ma maman. Surtout sa mère. On a oublié sa mère. Quelque chose dans l'esprit de Ryu l'ennuyait. Beau travail, enfant élu. Tu as fait un excellent travail en accomplissant le rêve tant espéré du clan du dragon. Defefan n'est plus là. Donc les démons restants sont affaiblis. Notre tâche de surveillance des démons sera plus facile maintenant. Tu as vraiment fait un bon travail, Ryu. Comme dans la légende, le mal a été vaincu. C'est pas facile à différencier de votre vieux. Il n'y a aucune raison que tu restes ici plus longtemps. Retourne avec tes amis. Au revoir, Ryu. Petit con. Au revoir, Ryu. Petit con. Je crois que tu vas accomplir ton destin. Allez, bonne bise. C'est pas la bonne musique, ça. Va tomber. Le dragon sage a dit que Defefan va tomber. Je ne comprends pas. Je vais disparaître maintenant. Je rêverai de la destruction. Adieu Nikamaru. C'était il y a 10 minutes. Ou 5. Le mal n'est pas tombé. Il a juste disparu. Cela voudrait dire qu'il y a encore du travail à faire pour Ryu. C'est donc la fin neutre. Voilà, je ne sais pas ce qu'est la bonne fin. J'en ai aucune idée. Qui est-il arrivé à Ryu? Je me demande ce qu'il fait. Je vais voir. C'est un très beau cri. Oh, scherz. Excuse-moi, et qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu t'es transformé en dragon? Eh, on remet toi vite, ta mère! Et oui, par contre, il a une tête super laide. Tu es stupide ou quoi? T'es fait un jamor, tu n'as plus de raison de monter à la garde ici. Idiot! Ouais, donc c'est la fin de l'autre. Ryu s'est endormi, tout comme sa mère l'avait fait. Il a dormi, afin de protéger les entrées vers le monde souterrain. Ryu et ses amis ont vaincu Defefan. Mais ce n'était pas terminé. Ryu l'avait senti. Il savait que le démon n'était pas mort. Il avait toujours une possibilité pour que Defefan revienne. Le dragon au sein du cœur de Ryu le lui a dit. C'est sa destinée de monter les gardes. Ryu sut qu'il n'était pas dans l'erreur.
Ryu était l'enfant élu. Dans son profond sommeil, Ryu entendit la voix de ses amis. Ryu ne leur avait pas fait ses adieux, car il savait qu'un jour, il les reverrait, un jour, dans un lointain avenir, où peut-être verra-t-il leurs enfants. Et c'est un peu triste. C'est bon, j'ai le droit au crédit. C'est bon, j'ai le droit au crédit. Parfait. Alors, Breath of Fire 2, c'est terminé. Voilà. Donc, résumons tout ce qui ne va pas dans ce jeu. Son père est mort, déjà. Voilà, le père de Ryu, je l'ai tué. Comme une merde. Ouais, ils vont nous repasser tout ce qui s'était passé. Le prologue, tout ça. Oh là là, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de musique? Oh là, ils me font peur avec leur changement de musique là. J'ai l'impression qu'il va se passer à chaque fois quelque chose. Ça, c'était Ina. Donc, ok, on a tous les personnages. Ou tous les chapitres. On aura juste tous les chapitres. Donc, le jeu était programmé en chapitres. Première chose intéressante. Chapter 1, ok. Pendant qu'on va nous remettre tout le chapitre, ça se trouve j'en ai fait beaucoup trop. Les problèmes, c'est que le jeu est beaucoup plus dur que le premier, que ce soit dans la version Super NES ou même la version Game Boy Advance. Il est un tout petit peu mal traduit, et ça c'est à cause de l'utilisation FR, c'est pas trop grave. Il est complètement niqué par rapport à sa version PAL. Est beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus simple entre guillemets, parce que c'est la version FR et un retard au niveau de l'expérience des niveaux dès le début. On a 4 niveaux de différence et c'est un retard qu'on aura tout le long du jeu. Le boss, certains boss sont plus ou moins difficiles. Ça dépend vraiment des pics de difficulté qui arrivent à des endroits auxquels on n'aurait même pas pensé. Je pense notamment à l'espèce de fleur avec 3 têtes où en gros il y en a une qui soignait, une qui attaquait normalement et une qui lançait des sorts. C'était n'importe quoi. Et qui repopait à chaque tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des donjons. Le donjon de l'infini qui est beaucoup trop grand et stupidement difficile. Et j'avais l'impression, alors ça c'est une impression d'être moins impliqué dans certaines parties de l'histoire que par rapport au premier. C'est un peu con, mais c'est une impression que j'ai eue, je sais pas vous comment vous l'avez ressenti. À part ça, je vous recommanderais vraiment la version Easy Type, qui est beaucoup plus simple, qui est dispo en français. Mais là, pour vous dire, j'ai, avec toutes les phases de farm et tous mes tests avant chaque capture, je suis pas loin de 45 heures, non, 40 heures. Non, même pas, 45 heures, ouais. Ouais, je dois être à 45 heures de jeu. Ce qui est vraiment très acceptable. Par contre, si je n'avais pas du tout triché, je pense qu'on serait monté bien au-dessus, sans exagérer. Je dirais qu'on serait monté au moins 20 heures de plus, parce que pour farmer, c'est une horreur. C'est une véritable horreur. Voilà. Et bah écoutez, on va laisser ça se terminer. Moi, je vais m'arrêter de parler ici. J'espère que l'épisode quand même vous aura plu. Que je vous invite d'ailleurs, si vous voulez la bonne fin, à vous renseigner sur des sites tels que GameFAQs ou même sur jeuxvideo.com. Je sais qu'il y a une chose à faire pour avoir la bonne fin, c'est de ne pas tuer son père. Voilà, je vous laisse ça ici. Et je crois qu'il y a aussi réussir tous les combats du jeu. Je crois qu'il y a ça aussi, ouais. Merci d'avoir regardé cette série ou même cette vidéo ou même d'être là. Je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à commenter avec votre expérience de jeu, à vous abonner pour ne pas rater la suite des vidéos tous les mercredis à 15h30, à me suivre sur Instagram
et Twitter où je suis le plus présent et où j'annonce le futur de ce qui arrivera sur la chaîne et des trucs des fois quand j'ai envie de parler. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour autre chose. Ouais, alors j'ai oublié de parler aussi, j'ai fait le jeu sans faire les fusions. Donc voilà. Okay, peut-être qu'avec les fusions, ça aurait été plus facile. Je me rends compte que maintenant. Un petit bonus pour ceux qui continuent de regarder. Je suis un petit peu con, voilà, je vous le dis. En même temps, c'est pas un truc que tu penses tout de suite. Donc merci d'avoir joué. De rien.